Et yo, salut à tous, c'est Keys, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du Coliseum en 1 contre 1. Alors on joue face à un Kra. Alors c'est parti, alors qu'est-ce qu'il nous fait? Ça a l'air d'être un Kra qui joue en 12-6, donc peut-être avec la cape Xa. Il y a des bonnes résistances, sauf en air, mais bon, ça nous intéresse pas trop. Donc je joue une nouvelle fois en mode en lance corrompu. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il met une balise tactique, je pense qu'on va courir et se mettre ici. Je vais double divine et mettre une vitalité. Alors c'est parti. On va double divine. On va se vitalité. Je vais peut-être mettre une jugement. Non, je peux les PA. Je vais mettre un anneau destructeur. Ça va faire quelques dommages. C'est toujours ça de pris. Et je vais finir ici. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? 13 PA, 5 PM. Est-ce qu'on voit les autres sur. Alors, l'ocre, le turquoise. D'accord. Il met un chef influencier. Ça peut être embêtant par la suite. Ça va, un 59 d'esquive PM, donc c'est pas trop la mort. Une manœuvre de taupe. Et peut-être mes deux harcelantes. Ouais, c'est ce qu'il fait. Je pense qu'on va bon et le rush, hein. Alors c'est parti. On a 7 PM. Je vais venir ici. Je vais double pression. Je vais mettre un chef verfu devant lui. Ça fera peut-être un lancier, ça pourrait être pas mal. Bah, dommage, on n'a pas autant de chance que lui. Comme ça, le petit chef Erfu le gêne un minimum, là c'est pas mal. Il se maîtrise de l'arc, et peut-être mettre corps à corps et mettre des gros coups de cac, à voir ça. Alors, il mène une fiche percutante et deux coups d'âge coriandre, ok. Pff, du coup, j'ai bien fait d'éroder, ouais. Je crois que je n'ai mis qu'un coup d'érosion. Ouais, je l'ai mis qu'un. Je pression. Je maîtrise. Et je vais mettre deux coups de cac. Ah, ça fait quelques dommages, c'est sympathique ça. On le tombe à 3300 points de vie max. Nous on a 4400. Plus la vitalité. Du coup on tombe à 1000 à peu près. À 3000. Je vais rester ici, je pense. Ah, je vais mettre ici. Ok, il va falloir juste de recul. Comme ça le gêne. Les deux cocos qui tombent. Qui me soigne du 541. Lui du 330. Allez, quand ça m'érodé. Ok, première érosion. Il se remet à notre corps à corps. Il tape son chef influencier. Ok, je comprends pas trop pourquoi. Je sais pas pourquoi il fait ça. Du coup. Le chef influencier qui me tape un petit peu. Ah, parce que ça me rentrait des PA. Ok. Oh, très bien, je savais pas. Nous, on a encore la divine pour ce tour-ci. Je pense qu'on va en profiter, hein. Je vais continuer de taper. On va mettre une première anti. Je vais lui en mettre une deuxième. Et je vais double lance corrompu qui fait quelques dommages, hein, 650 x 2. Je vais finir ici, ça pourrait être pas mal. La vitalité qui devrait s'enlever. Ce tour-ci. Du coup, on perdrait 1000 points de vie. Il va encore brawler avec son chef influencier. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va peut-être me remettre deux coups de cac. Ouais, un premier coup. Je sais pas si il m'a pas mis de deuxième coup de cac, je crois. Alors. Je me prends encore du debuff, je tombe à. Ah, je tombe vraiment mal là. 1131. J'essaie de profiter du soin du chef lancier en mettant deux coups de cac, en profitant de lui. On remonte à 1300 points de vie max. Je vais rester à son corps à corps pour prendre qu'un d'office émeraude. Alors, il reste 12 PA, on va voir ce qu'il nous fait. Il va peut-être mettre deux coups de cac, une flèche de recul et fuir. Ça pourrait être très avantageux pour lui, je pense pas que je pourrais le choper, on verra ça. Mais bon, il reste 830 points de vie. Normalement, on devrait pouvoir le kill sans souci. Alors, on va voir ce qu'il nous fait. La flèche de recul comme prévu. Et peut-être deux coups de cac. Il ne termine pas, hein. Du coup, bah GG à lui. Voilà, normalement on le tue assez facilement là. 1230. Un peu plus. Je vais mettre une divine pour les boosts. Hop. Je vais double coup de cac. On doit le tuer. Voilà, parfait. Bon bah du coup bah on va se retrouver pour un deuxième combat. Donc à tout de suite. Alors c'est parti pour un deuxième combat. On affronte un roublard qui a l'air d'être full air vu de ses résistances et de son tacle. De son 24 tacle, donc ouais normalement il a l'air d'être full air. Il joue peut-être vraiment à Dorabi sans voir ça. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Il a peut-être posé ses 3 bombes pour se booster au prochain tour. Il pose une Torna bombe, ouais. Il va de la rémission. Il va peut-être mettre une eau et une feu à côté de lui pour se booster. Ouais, c'est le cas. Donc nous on va s'approcher. Je vais mettre deux divines.
J'ai peut-être mes puissances, hein, parce que je m'en sers jamais, donc autant les lancer maintenant. Et j'ai une vitalité. Ok. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va péter ces deux bombes avec un kaboom. Sûrement remettre une autre bombe R. Je pense que nous on va sauter sur la bombe R qui est à côté. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il se rapproche de sa bombe. S'il reste ici, moi ça me m'arrange, hein, clairement. Ça, je peux mettre deux coups de tiac et le tuer. On a 7 PM. Je pense pas qu'on le touche. Là, il devrait bouger. Il se TP comme ça. Ouais, donc on va sauter sur sa bombe. On va lui mettre un petit coup de tiac. Ça la tue pas. Je vais la tuer avec une inti. Et on va essayer d'y aller au talent. On va mettre un coup de tiac ici. Peut-être que ça le trouvera. Parfait. Je vais finir ici pour le tacler un petit peu. Ouais, je le gêne un petit peu. En plus, comme ça, je prends qu'un d'office émeraude. Alors, j'aurais peut-être pu l'éroder, mais bon, j'ai pas eu l'occasion. Comme ça, on a fait quelques dommages à cette tournée à bombe. Comme ça, je pourrais la tuer au prochain tour. Il tape avec une montage. Ok, il met du 700 de dommages. C'est vraiment pas mal. Il met cette tournée à bombe qui fait du 420. Heureusement, on perd 0 PM. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je pense que je vais tuer ces deux tournées à bombe. Enfin, au moins une. À son tour, qu'est-ce que je pourrais faire? Je mettrai une concentration. Ah, j'ai un bec d'affichage un peu relou ça. Moi je vais la tuer comme ça. Je vais me mettre ici. Je vais le pression et je double cac. Je me souviens plus si j'ai maîtrise. Non, j'ai pas maîtrise, mais bon, je suis quand même du 570, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt correct. Je vais rester à son corps à corps pour prendre qu'un Dofus émeraude. En plus, le deux coco qui tombe, du coup, bah je repasse presque full life. Il me remet une tornade à bombe. Il va sûrement me remettre dans le mur avec un roublabot. Il est peut-être roublabot, coup de cac. Hein. On va voir ça. Il se détacle. Il a 3 PM. Du coup, il me bot. Ok. Alors, qu'il va-t-il faire? Il va peut-être fuir là-bas. Il se met ici. Ok. Je pense qu'on va continuer de le rush. Hein. Il met une poudre. Ok. Je vais rester ici, je pense. Je pense pas que je vais tuer sa bombe qui est, sous rémission. Je maîtrise. Je vais double anti pour maximiser les dommages. Hein. Et je vais mettre deux coups de tiac. Voilà, du coup il reste 2000 points de vie. Nous, voilà, ah, dommage. J'aurais pu détacler, je me serais mis dans le coin, mais on va rester ici, tant pis. Il me botte. Il va peut-être mettre une autre bombe et un roule la botte. Ah, il va peut-être essayer de faire péter le tout. Ouais. Avec une aimantation plus un blabot, ça va peut-être le faire. Du coup, il a 6 PA. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met un blabot comme prévu. Et une aimantation, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous pousser dedans tout simplement. Ouais, c'est parce qu'il nous dérange plus. Il va nous mettre là. Ouais, ici. Très bien. Il me semble que cette bombe a été rémission en plus. Comment je pourrais la tuer? Ouh, j'ai pris pas mal de dommages là. Je vais faire... Je pense pas que ça va tuer, non. Je vais aller ici. Je vais à son cac, hein, et je vais essayer de taper le plus au maximum. Est-ce que j'ai encore les divines? J'ai plus de divines. Du coup, j'ai double cac. Et mettre une concentration. En plus, il a cliqué son roublabot. Il devrait pas pouvoir nous tuer, je pense. À part s'il a un tour loop, il devrait l'avoir, je pense. Mais là, on le bloque, on le gêne un peu. Il peut pas me bot. Du coup, là, on est plutôt bien parti. On va voir ce qu'il nous fait. Il a un tour loop, ok. Du coup, il fuit. Il va peut-être clean sa bombe. On va voir ça. Parce que là, il peut pas nous mettre dans un mur. Il fuit. Moi, j'ai le bon. Plus l'agitation, s'il faut. Je devrais pouvoir le choper. Alors, il rémission sa bombe. Et il change. Alors, est-ce que je pourrais le choper? Non, je pourrais pas le choper. Je vais me cacher ici, je pense. Ouais, je vais mettre là. Je vais m'avancer dans le coin. Genre, je vais mettre ici. Je vais me charger une divine. Je vais mettre une vitalité pour tanker un tour. Sachant qu'il y a le Dokoko qui tombe ce tour-ci, il me semble. On va voir ça. Ah ouais, le Dokoko qui tombe. Le Robler qui a 1000 points de vie. Nous... On a 2500 en comptant la vitalité. Du coup, Robert qui se met au fond de la map. Il se met une bombe à côté de lui. Il va peut-être se coller. Non. On va s'agitation. Pour se coller son corps à corps. Ah. Ah, j'ai dû avoir la précipitation. Dommage. Attention. Elle est où? Précis, précis. Ouais. Hop là.
Du coup, bah, je place mon corps à corps. Juste le souffle. Je vais mettre une première anti. Et une deuxième. Voilà. Alors, il reste 532 points de vie. Je pense pas qu'il trouve le moyen de me tuer ce tour-ci. Il a un coup de mentache. Il y a peut-être cet épaisse à bombe, mais ça va peut-être nous tuer. Ça, c'est mal joué. Par contre, la maîtrise juste après. Du coup, il va nous pousser. Ok. Je pense qu'on le tue. Alors ça, 6 PM pour nous, ouais, on le chope. Bon bah du coup, bah GG à lui. Bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt bah, pour une nouvelle vidéo. Bye.